Divertimento, le nouveau film de Marie Castille Mention Char, a été projeté au CGR de Nîmes ce 1er décembre. Pour l'occasion, la réalisatrice était accompagnée d'Oulaya Amamra, césarisée du meilleur espoir féminin pour Divine. Une belle soirée d'avant-première pour un film très émouvant. Quel est votre instrument ? L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. Fetoma Ezaya Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours ? Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31, mais t'as même pas de baguette, c'est ça ? Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule ? T'as tout ton orchestre, tu fais un orchestre qui te ressemble. C'était vraiment super. J'adore Oulaya, je l'avais vu dans Divine, incroyable. Et j'avais aussi vu les premiers films de Marie Castille, donc vraiment pas déçu. Voilà. Un très très bon moment, très très bon, quelque chose qui nous a emporté, une très belle interprétation, très juste comme l'ont dit beaucoup de gens. Magnifique, c'était une pure merveille. Moi j'ai pleuré tout le long. C'est une très belle histoire, une belle leçon de vie en fait. Vraiment, avoir de l'ambition et ne jamais baisser les bras. Bravo. Ben écoutez, moi je suis bluffé par ce film et je trouve que c'est une excellente chose de développer ce genre d'activité dans les différents collèges et autres. Je n'ai jamais joué d'instrument, mais j'ai fait partie presque toute ma vie d'une chorale et je compte continuer le plus longtemps possible. Bon, merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir. C'est inspiré de l'histoire de Zaya et Fetoma Ziwani. Voilà. Et de la création de leur orchestre Divertimento. Marie Castille est venue me rencontrer au Maroc, j'étais en tournage. Et moi j'avais vu un de ses films qui m'avait beaucoup marqué. C'était ma première fois. Donc j'étais très très touchée de la rencontrer, parce que moi c'est un film que j'ai vu au moins franchement 5 fois, facile. Donc voilà, donc j'étais très contente. Et ensuite j'ai lu le scénario. Et j'ai découvert l'histoire de Zaya Ziwani et Fetoma Ziwani, que je ne connaissais pas, qui sont deux sœurs, donc une chef d'orchestre et une violoncelliste professionnelle. Et j'ai découvert donc cette histoire, la création de leur orchestre, Divertimento, et je suis tombée amoureuse des personnages, déjà parce que je me suis très identifiée. Et puis ensuite, voilà, il n'y a pas eu trop d'hésitation. Je crois qu'on a tous envie de raconter des belles histoires et quand ça finit bien, ça fait du bien. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. Symphonique ? L'orchestre ? Mais attends, Zaya, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet ? C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans. On est en train de créer un orchestre. Il y en a que ça tente. Tu l'as jamais, toi. Voici des musiciens du conservatoire de Stein. J'avais pensé à ça. Eh oui, en banlieue, on n'a pas de poignons, mais on a de l'imagination. Oh non, ils vont pas te piquer ta flûte. Tu rêves ou quoi? Ils sont jamais sortis de Paris. On n'a pas de place. Je le merci. Cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions. Vous voulez changer le monde, en fait. Dirige. Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre ? Bon, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Thank you.
sûr que ce sont ces moments après les projections, ces premiers moments, ces avant-premières, quand on commence à montrer les films au public, pour moi, ce sont des moments absolument privilégiés, extraordinaires et qui me motivent toujours à continuer à faire des films pour vous et à partager avec vous, à échanger avec vous voilà, sur tout ce que le film peut vous inspirer. Et donc, je suis ravie, encore une fois, d'être à Nîmes, ici, dans ce cinéma, et de pouvoir échanger avec vous et avec Oulaya à la fin du film. Et c'est son interprétation dans le film Divine qui m'avait vraiment bluffée. Et tout de suite, j'ai eu envie de travailler un jour avec elle. Donc le destin a fait que Divertimento est arrivé. Et pour moi, c'était évident que voilà, Oulaya pourrait interpréter le rôle de Zaya Ziwani. C'est un film sur la persévérance, la détermination, le fait que quand on a un rêve, de ne pas le lâcher, d'y croire, même malgré tous les obstacles qu'on peut nous mettre, de croire en soi, de croire en sa passion, de ne pas lâcher. Ce qui m'a intéressée dedans aussi, c'est justement, et ce qui me donnait envie, c'est ce que la musique, qui est universelle, la musique, elle peut toucher chacun et tout le monde de la même manière. Donc pour moi, c'est un lien absolument indispensable. Comme la culture en général, mais la musique en particulier, c'est un lien, je trouve, qui est important à nourrir, à consolider. Et Zaya, en créant cet orchestre, en créant ensuite l'Académie Divertimento avec sa sœur, c'est ce qu'elles ont voulu faire, c'est vraiment pouvoir donner cette possibilité à tous ceux qui le souhaitaient, même ceux qui peut-être se l'étaient interdit, d'accéder à ce lien et à cette passion de la musique. Moi, ce que je trouve important, c'est que surtout ce que vient de dire Marie-Cassie, c'est que les gens qui s'interdisent, en tout cas de par leur milieu social, leur origine, peu importe, leur différence, s'interdisent, quel que soit le domaine. Là, on parle de la musique. Moi-même, je me suis longtemps interdit d'écouter la musique classique, je ne sais pour quelle raison, mais comme si c'était réservé à une élite. Et qu'aujourd'hui, on a des films comme Divertimento, des associations comme Mille Visages, des gens qui changent, des regards comme Marie Castille le fait dans Les Héritiers, des regards qui font que, en fait, on peut s'autoriser à rêver, à écouter de la musique, à chanter, à tout, en fait. Comme elle l'a très bien dit, c'est universel, la culture, la musique appartient à tout le monde. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. Et que le talent n'a ni frontières. Voilà. Voilà, c'est en chacun de nous et il faut pouvoir justement révéler le talent de chacun et de chacune. Surtout ceux et celles qui ne s'autorisent peut-être pas, n'ont pas confiance en leur propre talent. Eh bien, il faut pouvoir justement leur dire « mais oui, tu as du talent » et pouvoir leur donner la force de l'exploiter et de le mettre à le partager avec tout le monde. Donc voilà, et par rapport à votre question sur peut-être certaines mentalités aujourd'hui, eh bien, si oui, on peut se dire aussi que le talent, il est partout en France. Il n'est pas réservé à certains quartiers, certaines villes, certains milieux sociaux. Il est partout. Et donc, Zaya et Fetouma venaient de la banlieue. Elles y sont toujours, d'ailleurs, et elles en sont fières parce que, d'abord, elles ont réussi à faire tout ce qu'elles voulaient faire en venant de Pantin, en venant de Stein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont du talent. Ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas d'origine, c'est juste ancré en chacun de... Un immense merci, et sincèrement, j'ai été éblouie de la prestation,
parce que je connais bien Zaya Ziwani pour avoir travaillé avec elle pendant 5 ans. Et c'est vrai que là, par moment, j'avais l'impression de voir Zaya. Donc je disais, c'est pas possible en tant qu'artiste, comment on peut arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un comme ça et arriver à. Plusieurs fois, j'ai cru que c'est Zaya qui était sur scène. Donc voilà, déjà un immense bravo pour ça. Bien sûr, un grand bravo pour l'idée du film. Et moi, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Zaya il y a de ça 8 ans, parce que j'ai monté avec une troupe d'enseignants, un groupe d'enseignants, on a monté un orchestre, donc un orchestre à l'école sur Nîmes, mm-hmm. qui s'adresse surtout à des enfants de quartiers défavorisés, hein, pour ceux qui sont Nîmois, Val-de-Beau, Pissevin, etc., tous ces quartiers-là, puis le plus centre-ville. Et donc on est parti sur cette idée qu'il fallait proposer dans les quartiers à des enfants qui sont loin de la pratique artistique, on va dire, c'est un peu ce qu'a vécu Zaya quand elle est arrivée à Racine. Dans les quartiers, on ne propose pas de pratiquer un instrument. Oui. On ne propose pas de danse classique, on ne propose pas de golf. On est quand même cloisonné dans ce qu'on propose aux enfants. Donc nous, on est parti avec l'idée de proposer ça à des élèves. Donc on a bricolé pour monter un orchestre. Bon, bien sûr qu'on a eu plein d'enfants. Et donc il y a 5-8 ans, on a rencontré un talent voir Zaya qui venait en concert au cratère à l'Est. On l'a rencontrée, elle a fait une concert, on est allé la voir, on dit voilà, nous, sur nos marques, etc., on fait un orchestre, etc., on aimerait tellement travailler avec vous, parce qu'on savait un peu ce qu'elle faisait avec l'Académie des Verts et Métaux. Et instantanément, elle s'est tournée, elle a dit bon, d'accord, je viens. Voilà. Donc en fait, elle a été je suis heureuse parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose de très. Elle nous donne énormément, elle est venue pendant 5 années sur Nîmes. Elle a fait une masterclass avec nos élèves dans le collège, du collège d'Hydro, du collège du Verne. On a fait plusieurs concerts, on est arrivé à faire un concert au théâtre de Nîmes, on a fait le concert à Paloma, et elle est marraine de l'orchestre. Et elle va revenir certainement, voilà, on a d'autres partenaires, mais elle va revenir à Nîmes travailler avec nos élèves. Donc vraiment, c'est un hommage, et moi j'ai une reconnaissance extrême à Zaya, et je vous remercie, vous, l'idée du film, déjà, et vous d'avoir si bien incarné cette si belle personne. La première fois que je me suis retrouvée devant cet orchestre, déjà, bon, j'étais paniquée parce qu'il y a plein de gens qui vous regardent et qui attendent quelque chose, visiblement. Et moi, j'étais persuadée que chef d'orchestre, c'était faire des gestes, en gros, faire du spectacle, quoi. Il ne faut pas attendre que je refasse un geste pour faire une note, quand même, parce que là, on ne va pas... Moi, je n'avais pas fait de solfège. Donc, autant vous dire que quand on a commencé le travail avec Zaya, on a commencé par les bases. Elle a commencé à me dire, il y a des instruments avant, il y a des instruments à cordes. On est parti de cette base-là. On a travaillé un peu toute la technique. J'ai pas pu apprendre par cœur, comme le font les vrais chefs d'orchestre, qu'on appelle un conducteur, parce que normalement, les chefs d'orchestre, ils apprennent toutes les partitions de tous les instruments. Mais par contre, j'ai appris par cœur les passages qu'on a travaillé. Et après, la deuxième partie du travail, ça a été se laisser un peu aller, comme je disais avec la scène de fin, le boléro. Ressentir la musique. Des fois, on s'asseyait et juste on écoutait la musique pour se laisser traverser comme ça par des émotions. Et quand on est face à un orchestre et qu'il y a le public derrière en plus, quand on se prend la musique comme ça en pleine face, je peux même pas décrire ce que ça fait, c'est incroyable. Bon, la première fois que j'ai été voir Zaya en concert, à la Philharmonie, j'en ai pleuré. Je ne savais même pas que ça pouvait me faire ça, honnêtement. C'est pas comme l'écouter comme ça. Quand on va à un concert ou quand on ressent la musique pour de vrai, ça, voilà, j'ai pas trop les mots, puisque c'est assez troublant ce que ça fait. C'est une force incroyable d'être deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs cet orchestre ? Divertimento.